Evening Stuart. Firstly I'm a Welshman, so thank you very much. Yes, you you. Hi Stuart. Uh, firstly, thank you. I'm a Welshman. You're making me very happy tonight. Uh, secondly, how happy are you with the victory? You know, we we knew fine well that we could come across here and uh, and cause an upset. Um, and we're thrilled to bits. You know, we we focused all week. Um, about coming over here and taking our opportunities, standing firm in defence, and and making sure we've got a, a clinical edge in attack. We didn't make it easy for ourselves at times, but uh, I'm incredibly proud of the boys. I know what happens um, when we get things right, uh, and 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 it showed again tonight. How much was it tonight? You know, you're you're, not, you're obviously not playing for for Wales. You're playing for Scotland tonight, and you know the first time since nineteen ninety nine that it's an incredible result for for us tonight. Oh, indeed. Um, you know, we weren't uh, bothered about anybody else tonight other than ourselves. And you know, we knew fine well coming across here was going to be one hell of a challenge for us. But um, you know, I believed in our individual ability and, and us as a collective. And we got hugely excited about the challenge coming across here, uh, and we have managed to deliver. Um, and the thing we touched on, you know, after Twickenham and and after after tonight, is that this is just the beginning of something memorable. Um, and we'll get excited for our next challenge. Ce que vous avez fait ce soir, c'est incroyable. Et euh, réponse, oui, effectivement, on a joué avant tout euh, pour nous-mêmes et euh, on y croyait énormément. On croyait en nos capacités individuelles, en nos capacités collectives. On avait un défi à relever et on l'a relevé. Et après ce qui s'est passé à Twickenham, euh, là, je pense que c'est vraiment le début de quelque chose d'extraordinaire et on attend avec impatience le prochain défi. Can you hear me? Yes. What does it mean when you're making history like this, Twickenham, and here tonight? What does that mean to you, someone who loves the sport and the country and everything so much? Uh, for me, there's no better feeling than winning a Scotland jersey, no matter where it is. Um, uh, and for us, you know, there, there was far too long between victories between Wales and, and at Twickenham um, and here at Stade de France or in, or in Paris. So um, we're absolutely delighted. We'll enjoy this moment. Um, and we'll have some fun. Yeah, I was just going to ask uh, when Finn was sent off, what did you say to the team? Because things looked pretty dark at that particular moment with about eight minutes left. Did you have a huddle and say anything to the team at that point? I think that the big thing for us is just sticking to what we know works best for us. I think the team managed um, the game incredibly well when, when I was off with a yellow card, which was. A the disappointment for myself, um, but then again with Finn, I think Luke, we've we've practiced these scenarios. We feel we're in better places because you've had the experience of having yellow and red cards. Um, and yeah, I, I felt we, we dealt with it really really well. I think we we end up scoring the the winning try when, when Finn was off, but he's been absolutely outstanding throughout the game and throughout our Six Nations campaign. So the be, the best thing for us is we've practiced these scenarios. We've we've experienced it firsthand. Um, but it's a lot easier when there's fifteen on the field. It's, it's a lot a lot less stressful. I I thought did um, did you think uh, the game was lost when uh, the French uh, team the French team took the took the ball in the extra time when, when they try to play yeah. kick off. Um, I love their ambition. I think they were looking to to score more points, but ultimately it's um, it's cost them a game. I think for us we were. vital final bonjour fabien est-ce que vous nous entendez ouais. bonjour c'est jeff paturo de rmc sport euh, ton premier sentiment à chaud et est ce que le fait pour gagner le tournoi de devoir marquer 4 essais gagner de 21 points etc. est ce que ça va un peu crisper l'équipe ou ça vous a, a posé quelques questions Premier sentiment, euh, ben, vous avez vu le scénario du match, donc c'est vrai qu'on hum, se dit qu'à hum, qu un moment donné le match est terminé, qu'on euh, a la possession et qu'on va aller en touche et que c'est terminé. Et puis finalement, euh, ben non. Donc on se dit qu'il faut redéfendre une séquence encore auprès des lignes. Et puis finalement, euh, au bout de cette séquence, les Écossais euh, prennent le score et remportent le match. Donc le, le début, euh, le premier sentiment, c'est peut-être... Euh, c'est dur à encaisser de perdre comme ça. Euh, mais après, euh, par rapport à ta question sur l'écart des, des points, on avait décidé de construire le match et de prendre, euh, de prendre les points quand ils se présentaient, d'être le plus, euh, plus consistant possible sans courir après le score. De toute façon, la pluie, euh, la pluie euh, qui a été incessante durant une grande partie du match, notamment la première mi-temps, euh, ne permettait pas vraiment de... De, de, de tenir énormément le ballon, de prendre des risques, de faire des longues passes. Donc c'était essentiellement un match qui s'est joué sur, euh, sur les phases de conquête, c'est-à-dire sur, sur le combat auprès et, et ensuite sur, sur le défi physique, hein, essentiellement. Euh, donc on, je ne je, je, je crois pas que ça, ça, ça soit intervenu dans dans la préparation des joueurs et que est, ça les ait perturbés, mais il faut demander à Charles, il vous en dira plus. Quelle est votre première impression Le fait que vous ayez dû gagner en marquant quatre tries et uh, avec un avantage de plus de 21 points, cela a-t-il fait une différence Est-ce que c'est la raison pour laquelle les joueurs étaient tendus And the answer is uh, well, my first impression. You know, when you feel like you've won the match, it's finished, you've got the ball, it's a line out, and all of a sudden everything turns over, and you have to defend your line, and they end up winning the match. It's tough to lose that way. And about your questions on the uh, point difference, we had decided that we would take the points as they came and we would not focus absolutely on the score. And also, the rain that was uh, al always there, especially during the first half, did not allow us to hold the balls and take any chances. So, the match uh, we played it on the set pieces and the physical challenge was really what made the difference. And I don't think that the uh, idea of having to win by 21 points made any difference in the preparation and the match itself. Bonsoir, messieurs. Euh, Camille Macali de la chaîne L'équipe. Une question pour euh, Fabien Galtier. Tout d'abord, euh, vous retenez quoi La deuxième place du tournoi ou les deux défaites, euh, l'Angleterre et l'Écosse Et une question aussi rapide au capitaine Charlotte Nivon, s'il vous plaît. Euh, que se passe-t-il à la fin du match avec Brice Dulin On a le sentiment qu'il doit taper, on a le sentiment qu'il veut taper et qu'il ne tape pas et que personne ne lui parle Je commence. Ouais, commence. Euh, que se passe-t-il <coughs> sur cette action précise Écoutez, c'est difficile de le dire, je n'en ai pas parlé avec, euh, avec les joueurs en question, mais, euh, mais peu importe, c'est vrai qu'on récupère la possession et, euh, et c'est vrai qu'on tergiverse un peu, euh, donc voilà, écoutez, c'est difficile d'en parler, il faudrait euh, qu'on débriefe avec les joueurs en question, ce qui n'a pas été fait, voilà, le maintenant euh, le match est passé. C'est des erreurs qui euh, nous feront grandir, qui nous font grandir et euh, à nous d'apprendre de ces péripéties là et de revenir plus fort et quant à la première question que vous avez posée que retenir dans ce tournoi euh, toutes les confrontations ont été des confrontations qui ont été euh, très très disputées en fait très intenses si vous regardez les écarts de points ça se joue euh, et souvent à la dernière action en fait c'est souvent joué dans le les matchs que nous avons joués, mis à part l'Italie, si vous regardez les scénarios des matchs, ils ont basculé quasiment dans les cinq dernières minutes tous, voire, voire sur la dernière action, comme vous avez pu le vivre à plusieurs reprises. Donc ce sont des matchs qui sont très âpres, très, très disputés, avec toujours des scénarios différents, des contenus différents aussi. Et par contre, des, des, des matchs... Chaque match est une histoire et chaque match est, est vraiment difficile à, à jouer et à gagner. Et donc, en étant un, après une défaite, c'est vrai qu'il faut, il faut faire preuve de, bien sûr, d'humilité, mais nous, faisons, nous terminons deuxième de cette compétition pour la deuxième fois. Il faut aussi le signaler dans, dans une compétition qui est vraiment acharnée, c'est le mot. Evening, uh, sirs. The first question for Fabien Galtier, What will you remember from this match—the fact that you end up second in the tournament, or the fact that you lost twice to England and Scotland? And the question to Charles: What happened really with uh, Dulin at that, uh, during that action? It feels like he wanted to kick, but he did not, and no one was talking to him. So, what really happened? And Charles answers first. Well, what happened? We got we just gotten the ball back. We hesitated. It's difficult to talk about it now. We need to debrief it with the squad and especially the players who were involved in that action. But um, this is a mistake we will learn from, as we always do, and we will come back stronger. And then Fabien Galtier answers the first question. What will I remember from this uh, match? Well, every contest, every point was a contest, and every time it was really intense. It was always in every match the last action that made the difference. Apart from the, ma the match with Italy, uh, the turnaround always happened during the last minutes or the last action. We've seen this several times. It was always tough matches, contested matches, and every time with a different scenario and different content. But every match is a different story. It's difficult to play the matches, it's difficult to win. And obviously, after a defeat, we have to be humble. We're second in the tournament, that's the second time in a row. Mais il doit être nous devons le rappeler parce que c'était une compétition difficile. Oui Fabien, bonsoir, c'est Nico Zanardi au Midol. Euh, on connaît tous les, les, les enjeux, les objectifs que vous deviez atteindre pour gagner le tournoi. Tu as parlé aussi de l'importance des phases de conquête. Est-ce que dans cette optique, un des tournants du match, ce n'est pas cette touche que, qui est perdue sur la pénale touche à 5 mètres juste avant la mi Oui, si on, si, on, y a des, euh, si on reprend le match et si on l'étudie en détail, on va trouver à plusieurs moments, euh, soit sur des phases de conquête ou dans le jeu, des moments clés qui vont être déterminants pour la suite de la, de la rencontre. Et euh, ça, ça fait partie des moments clés, c'est vrai. Ce pas le seul. Je pense qu'il y en a plusieurs dans cette partie. Euh, mais ça fait partie des moments clés. Euh. Où on a choisi de lancer un fond d'alignement et les, les Écossais ont su lire euh, notre, euh, notre structure et ont su intervenir à, à bon escient. Mais c'est pas… Dans un match, il n'y a, a pas… Plus on se rapproche du match, bien sûr, et de la fin du match, et notamment les dernières actions, on va retenir les, dernières, les derniers gestes qui vont faire que le match bascule, mais c'est vrai que dans ce match en le reprenant tranquillement, on va trouver qu'il y, y, um, y a plusieurs temps, c'est un exemple, mais il y en a d'autres, des temps forts ou bien des temps faibles. Fabien, nous savons qu'il y were very high très hauts time pour gagner the tournoi. Vous avez parlé de l'importance of set pieces. Qu'en about that de ce line-out, ce line-out que vous avez perdu Answer, it's always uh, difficult. Uh, there are very important key moments. That was one, but it was not the only one. Definitely, there were others. And we chose to throw to the end of the line out, but apparently Scotland read through our strategy and they reacted accordingly. And you know, the uh, closer you get to the end of the match, the more you will remember the last actions, the ones that made a difference. But there are other actions throughout the match that we need to think about. And during a match, there are strong moments and weaker moments. bien Alexandre Priam Sud Radio. Vous disiez à l'instant euh, que chaque match raconte une histoire. Quelle est l'histoire justement que ce match vous a raconté? Et est-ce que c'est justement ce, peut-être un, un défaut de maîtrise dans cette rencontre sur le, sur le jeu produit par l'équipe de France D'abord ce match, l'histoire de ce match c'est qu'il se joue sur la dernière action. On a le sentiment plusieurs fois qu'une équipe prend le dessus sur l'autre, euh, et puis finalement chaque fois, le, euh, chaque équipe arrive à revenir dans la partie jusqu'à la fin. Ça, c'est peut-être l'histoire principale, le scénario principal. Euh, oui, on peut parler de maîtrise euh, par moment, mais on, nous avons aussi par moment eu la maîtrise. Euh, et puis on peut parler aussi de la performance écossaise, qui a su, euh, qui a su venir chercher ce qu'il fallait et a su mettre ce qu'il fallait comme ingrédient dans cette partie. Fabien, you said a minute ago that each match was a different story. What story did this particular match tell? Was it a lack of uh, mastery, a lack of control on the part of the French team that made the difference? Um, and Fabien says, you know, the story in this match is obviously the last action, but each team seemed to be taking the advantage, then the other team took the advantage again, so it was very, very close. And yes, it may be a question of mastery, but uh, there were moments where we had enough control. Et nous devons aussi applaudir la performance de l'équipe écossaise. Ils savaient exactement ce qu'il fallait faire et ce qu'ils devaient investir in dans le match. Bonsoir Fabien, Romain Bergogne à l'équipe. Uh, tu parlais tout à l'heure du, du défi physique dans ce match. Est-ce que justement tu as l'impression que les joueurs ont manqué un peu de gaz et que finalement l'enchaînement uh, uh, Galles-Angleterre-Écosse uh, a, vous a coûté un peu cher physiquement ce soir aussi c'est vrai que c'est un enchaînement solide, euh, solide en trois semaines. Euh, il, se peut, il se peut que l'enchaînement ait épuisé les ressources, parce qu'une fois de plus, quand vous voyez les scénarios des matchs, euh, euh, ça s'est se joué jusqu'à la dernière dernière action, chacun de ces matchs. Et euh, il se peut que la fraîcheur ait euh, été. Était, euh, partager je dirais je dirais pas l'avantage des conseils parce qu'on a eu aussi des temps forts nous avons eu aussi des temps forts sur euh, sur des moments dans la partie euh, qu'on a su exploiter et d'autres qu'on a euh, su un peu moins bien exploiter ça se joue euh, ça se joue sur le fil euh, mais c'est vrai que on, je pense que l'équipe termine cette compétition avec une expérience euh, euh, et donc on sent bien que euh, c'est un vécu qui est, qui est très intense et qui, euh, qui puise énormément dans les organismes. C'est une compétition qui est, qui est très, difficile, très difficile, et notamment physiquement. Mais physiquement, puis on rajoute aussi la partie psychologique, aussi, puisque euh, ce sont des combats de boxe en, en permanence. Et, et donc, euh, évidemment, euh, on, les joueurs puisent. Nous puisons tous, pas que les joueurs d'ailleurs. Tout le monde puise dans les ressources. Fabien, you said it was a physical challenge. Do you feel like the team lacked a bit of steam? You know, playing Wales, England, Scotland in a matter of, of three weeks. Do you think you paid the price for that? And the answer is well, yes, of course, it was three weeks of very tough physical challenge. Maybe it did tap into our resources, maybe it was a bit too much. Every match was very intense to the last action. And, uh, but it wasn't only at the advantage of the Scottish squad because uh, we had it too. We were in control in, in at some, some, some moments. It was always very close, and we're going to finish the tournament with a very intense experience to remember. But it may have been very tough physically, and also, let's just not forget it, psychologically. It's like you're doing an unending boxing match, and it does tap into your physical resources. Oui, question pour Charles Vincent Pellegrini, Radio France. Il y a cette deuxième place, bien sûr, qui n'est pas anecdotique, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ce, cette défaite à domicile, ça ternit un peu le, le bilan et ça, ça laisse un goût amer Au moment où l'on parle, évidemment, que qu l'on parle, il y, y a pas mal de déceptions et il euh, y a un petit peu de frustration par rapport au, au scénario du match et, euh, et au fait qu'on le contrôlait et qu'on le laisse filer. Euh, Maintenant, c'est vrai qu'il faut prendre un petit peu de hauteur et essayer de, de faire un bilan plus à froid. Euh, c'est pas simple là à la sortie de, du match, mais, euh, mais comme je disais tout à l'heure, euh, voilà, on, on, je pense qu'on apprend, on apprend de ce scénario un petit peu cruel aussi, et euh, il faut qu'on revienne plus fort, euh, il faut qu'on revienne plus fort, pardon, dans les prochaines échéances qui vont arriver. Euh, voilà, il faut il faut malgré tout en retenir le positif et une deuxième place, sincèrement, c'est pas rien. Hein. Même si euh, tous les membres du groupe auraient, auraient préféré euh, terminer par une victoire. Je, je, je voudrais conclure aussi pour le féliciter, pour euh, devant vous féliciter Charles, qui a été un capitaine et qui est un capitaine à la hauteur, exemplaire. Et, Merci. Fabien. Et euh, nous sommes très fiers de lui, vous pouvez être très fiers de lui. Euh, voilà. bravo, charles. question for charles. Uh, second in the tournament. that's already very good. but losing at home isn't that leaving a bitter, a bitter taste? and the answer is, well, now as we talk, of course we're disappointed. we're frustrated, especially if you look at the scenario. we were in control of the match and it finally escaped us. But we need to review the match with a cold head. It was cruel to lose that way, but we will learn from the experience and we will become stronger. And you know, you have to look at it the, on the bright side. Being second is not to be disregarded. Obviously, we would have preferred to have won. And Fabien Galtier adds I would like to congratulate Charles for being an exemplary captain. We're proud of him. You should be proud of him. Well done, Charles, for all your commitment.